Hello, hello, mes kiddos. C'est une joie de te retrouver aujourd'hui. Ensemble, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Mais pas juste extraordinaire, mais c'est pour que nous puissions nous amuser, apprendre ensemble. Parce que nous sommes en train de nous découvrir, ce que nous, toute la création qui est là, qui nous apprend des choses, en fait. Alors aujourd'hui, j'ai quelque chose à te proposer. Nous allons découvrir quelques animaux qui ont des secrets qui sont importants et qui sont aussi à l'intérieur de toi. Alors si tu es prêt, c'est parti! Je te propose de découvrir l'encyclopédie des animaux. Alors, qu'est-ce que tu vois là? Tu peux me dire ce que c'est? Alors, un caméléon. Quelle est la particularité du caméléon? Le caméléon, en fait, il... À chaque fois qu'il se trouve en fait sur une couleur différente, sur un arbre, quelle que soit la couleur en fait, sa peau prend la couleur du matériau sur lequel il s'est posé. Alors je vais te montrer par exemple ici, regarde, s'il est posé sur quelque chose de vert, sa peau devient verte. S'il est posé sur quelque chose de jaune, sa peau devient jaune. Et si elle est posée sur quelque chose d'orangé, sa peau devient orangée. Pourquoi? On appelle ça en fait une notion de camouflage. Le camouflage permet au caméléon de pouvoir, s'il y a un adversaire, s'il y a un ennemi qui voudrait le manger, lorsqu'il s'enfuit et qu'il se cache en fait au travers, dans la nature, en fait, c'est parfois difficile de le retrouver. Donc, ça lui permet de se couvrir. Et parfois aussi, ça lui permet également de pouvoir se nourrir. Donc, en même temps, la technique, en fait, qui lui a été attribuée, ça lui permet en même temps de se couvrir et en même temps de se nourrir, de se protéger et de se nourrir. Alors, nous, aujourd'hui, c'est une chose, c'est un secret que la nature nous donne. Alors, toi en tant qu'individu, toi en tant que jeune garçon, toi en tant que jeune femme, tu peux être face à des différentes situations, mais comment est-ce que tu vas te couvrir? Comment est-ce que tu vas te protéger? Tu peux regarder à l'intérieur de toi. Il y a certains fruits que tu as, il y a certaines qualités que tu as qui te permettent en fait de t'assurer une protection. Lorsque parfois tu vois venir le danger, lorsqu'il y a un danger qui peut être là, lorsque tu regardes des individus, parfois en fait dans ton cœur tu peux sentir que non, il ne faut pas que j'aille là, il ne faut pas que j'approche cette personne. Ah, ou ton instinct, en fait, ton instinct va te dire, ah, non, ne passe pas par là. Donc, à l'intérieur de toi, tu as une horloge, en fait, qui te permet de te protéger. Une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, non, ne va pas à cet endroit, c'est un feu stop. Mais en même temps, cette petite voix te dit, va ici parce que là, tu peux trouver à manger. Va dans ce coin parce que là, tu peux avoir ce dont tu as besoin. Va dans ce coin, pose telle question, comme ça, tu auras la réponse. Instruis-toi à ce niveau-ci parce que tu pourras avoir la réponse qui va te permettre plus tard de pouvoir te nourrir. Alors écoute cette voix intérieure qui est à l'intérieur de toi, mon champion, ma championne, ma kiddose, et tu pourras en fait avoir du succès dans tout ce que tu feras. Bisous, bye bye.